bonjour à tous, c'est Wolfie qui est en route vers la grande tour. Alors, l'objectif du jour, les amis, donc c'est bien entendu la tour. Et on va essayer de délivrer la quatrième et dernière grande fée du jeu. Pour ça, il va falloir qu'on aille en Hébra et qu'on trouve un musicien qui joue du cor. Je ne sais pas où il est. Donc ça risque d'être un peu coton. Donc ça fait partie des quêtes annexes, on va essayer d'en faire quelques-unes. Ah, j'ai oublié les monstres. Partie des quatre annexes, ça aussi ça nous en fait 3. Voilà. Elle est loin en fait la tour. C'est sur cette montagne, exactement l'emplacement de la tour, que l'on avait délivré le dragon qui était possédé par la corruption de Ganon. Si vous vous rappelez bien, c'est des jeux au premier jeu. Donc je trouve cool qu'ils réutilisent l'endroit différemment. C'est un champignon, on va le ramasser. Attendez, pourquoi je m'embête moi? J'ai le pantalon des neiges maintenant. On l'a acheté. Il est où? Il est là. Oui, t'inquiète pas, on va te mettre un casque. Voilà. Ah, quand même plus vite, hein. Alors, je fais le grand tour parce que j'espère de trouver deux autres monstres pour notre album. Ouais, mais alors. Pensez pas à vous. Ok, ok, j'ai compris, l'épée des jambes, ça sert à rien ici. Lâche-moi. Je vais vous combattre, mais laissez-moi le temps de bouger au moins. Ah, il m'empêche de bouger. J'aime moins le coup que je viens de prendre. Albarde miasmatique. La simple vue de cette lance capable de transpercer les âmes insuffle une indescriptible angoisse. Merci.
Voilà. Bon, c'était cool. Alors, ça a été laborieux, mais c'était cool. Et je m'attendais pas à tomber sur des mains là de suite. Bon, on s'y attend jamais en réalité. Hein. Gastrolique de cryolac. Longtemps conservée dans un corps à très basse température, cette pierre, a gagné la propriété de retenir le froid. Et ça, c'est bien. Et je trouve boise. J'aime bien ton arme, toi. On va pas les affronter, mais... Alors, hop, au moins normalement, la quête de Phara sera terminée. Pas lui parler, ça me pourrait encore tomber sur un Iga. Et ce n'est pas notre but pour l'instant. Notre but, c'est d'atteindre le sommet de cette montagne pour se faire la tour. Alors, voyez les mains, si vous avez des bombes, c'est vraiment plus un problème. Hein. Et le fantôme de Ganon avec l'épée de légende, c'est pareil. On sait juste surprendre quand il change d'arme. Marche en plus. Allez. Ça c'est top. On y restera deux tours à débloquer. Hein, celle des Yonko, je sais toujours pas comment on va les débloquer. Voilà, il y a des îles accessibles. Très accessibles même. On va essayer d'aller dessus, hein, bien entendu. Derrière aussi qui sont accessibles. Alors je sais, j'ai dit qu'on ferait que des quêtes annexes, mais les îles sont accessibles. Là-bas en face aussi. Alors est-ce qu'on a eu ce géoglyphe? Non. Voilà. Alors. Prendre ça, mais
l'instant, on se rapproche. Parce qu'après, il reste encore ma batterie. Bon, je pense pas que je pourrais aller là-haut, mais... Si j'arrive déjà à aller à l'île en dessous, ça serait pas mal. L'énergie se vide vite quand même. Ouais, je pourrais jamais aller tout en haut. Parce que j'ai déjà été sur des îles comme ça et elles ont un gros problème, ces îles. Le problème, c'est que quand vous êtes dessus, comme là, vous pouvez pas aller au-dessus en passant à travers. C'est avec ça, avec infiltration. Ça ne fonctionne pas jamais. Alors, get your phone. Je fais ça, je sais que je les retrouve directement en bas. Alors, qu'est-ce que tu me donnes de beau? Est-ce qu'il y a du nouveau matériel? Non. Ok. Ouais, je sais, j'allais lui parler, puis j'ai vu ça, là. Ah oui, il faut pas que j'oublie. J'ai peut-être un Korugu sur... Oh, la petite fée. On a beaucoup de mal à trouver des fées dans celui-là. Hein. J'aurais peut-être un Korugu sur cette île là en face. Décidément. Faut que je remonte sur l'île, hein. Donc pour l'instant. Alors toi, tu devrais avoir une épreuve pour moi. Bien sûr que je vais relever l'épreuve. Alors vous savez, si les plongeons Selex, vous lui donnez un... une boule. Déclenche l'épreuve. Téléporteur, non? Non? Bon. Ben, j'espère que je vais réussir du premier coup alors. Hein. Je vais m'équiper de la tenue de toute façon. Alors, la tenue d'acrobatie, c'est celle-ci. Voilà, de chute libre. Allez, souhaitez-moi bonne chance, c'est plus difficile que ça en a l'air à chaque fois. Ah, par exemple... On s'est scratché, mais on a peut-être réussi l'épreuve, je ne sais pas. On a réussi l'épreuve. Autrement, je ne pense pas qu'il nous aurait donné le sanctuaire.
Merci d'être arrivé au bout de cet essai, blablabla. Ah, et maintenant c'est l'épreuve, ok. C'est vrai. D'abord, c'est vrai, on le fait une fois, ça débloque ce sanctuaire, et ensuite, faut la faire en épreuve avec le chrono pour débloquer un morceau de tenue. On va essayer de pas se scratcher cette fois-ci. Et ceux qui ont du ski, ils doivent faire ça en 20 secondes. Hein. Parfait, on a la tenue complète. Il est dégueulasse comme ça. Donc c'est cool, ça nous fait des 4 en moins à faire, ça nous fait des sanctuaires. Alors ça, c'est le sanctuaire de Shia Jogu. Donc des sanctuaires en moins à faire, une tenue de plus, ça nous active, ça c'est cool. C'est toujours bon à prendre, hein. Moi, je suis très très content quand ça se débrouille, ce genre de choses. C'est une bénédiction, mais c'est parfait. Un diamant, c'est parfait. Ça me permet d'avoir vite des sous, ça. Là, il faudrait que je vende... ça fait 7000. Ouais, il faudrait que je vende 60 diamants, je crois, pour acheter deux tenues complètes. Et je crois que j'en ai 30. Ça, c'était super cool. Alors, vu que ça c'est fait, je peux enlever ça. Ouais, toujours des îles où on n'a pas été, hein, mais ça se remplit quand même, le ciel de sanctuaire, hein, les amis. Il y a cette île là qui est bizarre. Il y a celle-ci de Fieron qui est bizarre. Ah, il y a tout là où on n'a pas été aussi. Oh, ce serait peut-être intéressant d'y aller, là. Vous croyez que je peux y aller par... par le donjon? Oui, je sais, le Volfil se disperse. Ah oui, c'est vrai, en plus j'ai dit qu'on ferait la grande fée, j'ai dit qu'on ferait le dragon à trois têtes. M'intéresse. Je peux pas les voir tant que je suis ici. Ok, super. J'imagine que ce sont toutes ces îles là en bas. Voilà, c'est ça. Je vais aller là. Là. Et là. Je sais pas si je pourrais aller à tout, hein, mais...
ça, c'est pas le bon courroux. Ah, il y a un sanctuaire à débloquer quand même ici. Elle a peut-être bien fait d'y aller. Qu'est-ce que tu nous donnes, toi? Il y a tout du matos déjà obtenu. Et tiens, t'as pas de sommet la boule? Ah voilà, une entrée. Ah, le cristal est ici. Ah. Ok, alors. J'espère que c'est ça, parce que je ne vois rien. J'ai bien compris ce qu'il faut que je fasse, mais... Ok. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Toujours mauvais moment. Laissez-moi jouer. Je sais, je dois vous en laisser une, mais elle tombe toujours quand il faut pas. Ah. Pourquoi je m'embête, moi? Hein, on est d'accord. Il y a plein de flèches. À force de tenter. Bien d'accord, là ça va l'éjecter en face. Super. Merci le cristal.
Non, commence pas à faire ça. Ah, je suis pas le plus fort, alors j'essaie d'être le plus malin, vu que j'arrive pas à éjecter le cristal. On va essayer de tricher. Si la planche marche... C'est pour ça que je vous disais, il est bien ce jeu, juste pour ça en fait. Vous n'avez pas l'éjecté, c'est pas grave. Vous n'êtes pas bloqué pour autant. Et ça, je trouve ça génial. Il y a combien de jeux qui vous proposent ça? Sanctuaire de Natakwalka dans les hauteurs d'Akala. Ah, eh oui. Pourquoi s'embêter les amis? Je suis sûr qu'il y en a qui ont passé des heures à essayer d'éjecter le cristal. Moi maintenant, je ne fais plus ça, je m'acharne plus. S'il passe, il passe, s'il passe pas, je trouve une autre solution. Ok, pourquoi pas. Alors, maintenant, il faut que j'aille sur l'île là à côté. Qui est donc en contrebas. Par contre, il faut que je me change pour l'île en contrebas, sinon je vais me faire éclater par le monstre. Voilà. Faudrait que j'arrive à aller là-bas en face aussi. Peut-être en remontant sur la sphère. Le golem. Sorte. Oups.
mieux. J'ai enlevé tous les blocs, c'est celui-là que j'oublie. Quand même, ça monte. Hein. Alors, je sais pas si j'utiliserai. Voilà, faut que j'améliore ça. Ça, on va jouer avec. Bah, on va rester sur notre truc de glace. Là-dessus, c'est tout ce qui est proposé. Lui, c'est pas top. Hein. Là-bas j'ai des îles là, j'aimerais bien y aller aussi, j'ai toujours la grosse île là-haut. Il y a le labyrinthe aussi, je dois faire la hauteur. Ah. Encore un de ces gens gênes là, mort, ok alors. Commence à se comporter les amis. Alors l'objectif c'est le vert. Merci. Il pilote bien. Place qu'il y a, il a été se mettre en hauteur. Non, c'est pas bon comme ça en plus. Demande, je m'en fous. Mais oh là là.
quelle horreur. Mon Dieu. Ah mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il devrait voler super bien normalement, hein, mais... Est-ce que je peux au moins aller là? Ça me consolerait déjà pas mal. Déjà ça. Là j'ai des planeurs. Faut que j'arrive à aller là-bas en face. Pourquoi ils ont mis un truc aussi grand que ça ici? Ben, c'est pas gagné les amis pour aller là où je veux aller. C'est même avec les planeurs pour aller là en face. En plus. Donc les planeurs c'est pour aller là-bas en face. Et j'ai pas de tour proche en plus, cette tour est loin. Bon, alors. Tant pis, on va voir si on trouve quelque chose dans le labyrinthe. J'ai pas encore les moyens d'aller là-bas. Il faut que j'apprenne à mieux maîtriser les constructions de véhicules pour avoir des véhicules efficaces. Parce qu'ici, j'ai une épreuve ici. Il faut que j'aille en haut. Tout en haut, là au-dessus, au labyrinthe au-dessus. Mais je ne sais pas comment. Là, j'ai déjà été. Alors, je me dis que peut-être il y a quelque chose là-dedans que j'ai raté. Des choses activées là en dessous. Je vois rien. Un phare. Il y a des miasmes, des machins comme ça, mais... Comment je suis censé aller là en haut? C'est ça que je ne piche pas, les amis, que je ne comprends pas. Comment aller là? Parce que là, même si je saute là, je pourrais jamais aller jusqu'ici en hauteur. Hein. Et là, pareil, pourquoi j'ai un verre là? Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je réfléchis. J'arrive pas à comprendre. Comment je peux faire pour aller en haut du labyrinthe en fait? Là j'ai été tout à fait par hasard, il y avait une piste volante tout ça, donc j'ai réussi à y aller, c'était cool. Mais là, je comprends pas.
Le problème, c'est que là, par contre, ça me bloque vraiment dans le jeu. Parce que même en remettant, en remontant en haut de la boule, là, ça me rapproche pas vraiment du labyrinthe, ni rien. Mais, oh, lâche-le. Le mieux que je puisse faire, c'est aller là. Comment je fais pour aller là-bas en face? Celle-ci, à la limite, plus ou moins, on peut y accéder, mais... Vous voyez la hauteur que j'ai perdue pour y aller quand même. Parce qu'il se passe jamais où et comme je... Oh là là. Voilà. L'autre sens, l'autre sens. Voilà. Tant que tu vas vers l'île en face, ça me va. C'est tout ce que je vois, les amis. Hein. Il est complètement con, ce machin. Ah, il y a un sanctuaire à débloquer ici, en plus, aussi. Ah, là, c'est tout ce que j'ai trouvé pour y aller. Peut-être si j'arrive à faire la même chose ensuite en partant de l'île là. Balancer un avion avec un propulseur comme ça. J'ai de quoi le fabriquer. Ok, t'excites pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Ça, c'est important, les amis. Toujours tester, toujours faire tes gâchapons. Il y a du matos inédit, ça vous permet de le trouver, et là, ce n'est pas le cas. Ok. Donc lui, théoriquement, va m'éjecter au-dessus, c'est très bien. C'est très bien. Écoutez, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous encourage à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne,
activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Bye bye les amis, et portez-vous bien.